du Haskell, autre chose. Ok. Bon, pour les autres, vous inquiétez pas. En fait, c'est un talk d'intro, justement. On va partir du principe que vous n'y connaissez pas grand-chose et on va essayer d'introduire un peu de programmation fonctionnelle avec Helm. Donc moi, je m'appelle Pascal Lemerer, je travaille chez Orange Labs, tout près d'ici, là, à quelques centaines de mètres. Je suis développeur dans une équipe qui développe des logiciels dans le domaine de la cybersécurité. Et j'ai fait beaucoup de JavaScript, comme certainement pas mal d'entre vous. Et puis, j'ai découvert, il y a 2 ans, on va dire, Helm. Et Helm, c'est un langage qui a un énorme inconvénient. C'est qu'à partir du moment où vous commencez à en faire, vous n'avez vraiment plus envie de faire du JavaScript. Donc je vais essayer de vous montrer pourquoi, vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc on va faire ça en 2 parties. Je vous fais un petit live coding pour vous expliquer un peu la syntaxe, comment ça marche, les principes. Et après, on verra quelques slides dans lesquels je partagerai d'une part des généralités sur Helm, et puis ce que j'aime bien dans ce langage et ce que j'aime moins aussi, parce que forcément il y a quelques limitations. Je vais commencer par créer un programme en Helm. Donc un programme en Helm, on va appeler ça un module. Donc je vais l'appeler main, ce module, et il va mettre à disposition, exporter une fonction unique qui s'appellera également main. Donc ma fonction main, elle va afficher, elle va renvoyer juste une valeur qui sera un texte que je vais nommer de façon très originale, Hello World. Alors texte, ça ne vient pas de n'importe où, c'est une fonction d'un module qui s'appelle HTML. Donc il faut que je l'importe. Alors, ça, c'est pas très lisible. Ouais. Alors, ça va être, je vais jouer avec les niveaux de zoom à plusieurs reprises, je pense, pour que ce soit lisible et utilisable. Alors là, il y a plusieurs choses que je peux vous expliquer déjà. Donc, ce qu'on voit à gauche, c'est mon code source. À droite, c'est le rendu dans un navigateur. Helm, ça produit du HTML valide. Et comment ça se fait? Ça se fait parce que le compilateur Helm, donc c'est un langage compilé, le compilateur Helm va traduire le code Helm en JavaScript. La compilation d'un programme Helm, même s'il est constitué de plusieurs fichiers, ça va résulter en un fichier JavaScript unique. Et ce fichier JavaScript, je vais pouvoir l'importer dans une page HTML, donc c'est ce qu'on voit ici par exemple. Et je vais appeler une fonction comme celle-là, Helm main full screen, pour lui dire affiche-moi l'application main en plein écran. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Il y a d'autres fonctions pour dire affiche-moi cette fonction, enfin cette application Helm dans un div simplement, ou n'importe quel élément du DOM. Donc si vous avez une appli dans laquelle il y a juste une partie de la page qui est gérée par Helm, on peut le faire comme ça. On pourrait mettre des styles aussi, voilà, en termes de CSS, vous avez accès à tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc là, ma fonction main, elle renvoie une valeur. Toute fonction en Helm renvoie une valeur, c'est obligatoire. On ne peut pas avoir des fonctions qui ne renvoient rien. Ça n'existe pas dans ce langage. Le compilateur refuserait. Et là, ce qu'elle renvoie, c'est un nœud de type texte qu'on peut insérer dans l'arbre DOM. Donc c'est ça que veut dire le texte ici. Et texte, c'est une fonction. C'est une fonction du module HTML, et quelque chose qui est un peu inhabituel quand on vient de langage non fonctionnel, c'est la syntaxe, notamment par le fait que entre le nom de ma fonction et puis les paramètres, j'ai juste des espaces. Donc là, Hello World, c'est un paramètre de la fonction texte. Donc il n'y a pas de parenthèse. Si je veux appeler une autre fonction, je pourrais faire ça comme ça. Je pourrais dire, j'appelle une fonction qui s'appelle View. Et ma fonction view, ce qu'elle renvoie, c'est un nœud DOM, un nœud texte qui affiche Hello World. Donc si je recompile et rafraîchis,
Alors ça va être un peu pénible parce que le zoom se réinitialise à chaque fois, mais vous voyez que ça ne change pas grand-chose. On a le même fonctionnement. On a d'autres nœuds HTML. Hein. En fait, le module HTML, il propose des fonctionnalités, des fonctions qui correspondent à chacun des tags du langage HTML. Donc, si je veux créer une liste, par exemple, je vais utiliser les fonctions li et ul. Je vais toujours avoir besoin de mon li. Donc, je pourrais créer une liste de la façon suivante. Donc, j'appelle la fonction ul. Je lui passe un premier paramètre, hein, parce que toutes ces fonctions qui correspondent à des tags du langage, elles prennent deux paramètres. Le premier, c'est une liste d'attributs. Donc, comme dans le langage, hein, le langage HTML, vous avez les attributs classe, ID, onClick, etc. Donc, on va lui passer à cette fonction UL un premier nœud qui correspond à la liste des attributs du nœud. Cette liste, elle va être vide dans notre cas, il n'y a pas d'attributs. Et un deuxième paramètre hein, qui va être une liste d'enfants. Donc, un enfant pour un nœud UL, ça pourrait être un nœud LI. Qui lui-même ne va pas avoir d'attribut, donc une liste vide, et qui va avoir pour enfant un nœud texte, par exemple celui-là. Donc une liste, bah, ce serait bien qu'elle ait plusieurs enfants, plusieurs nœuds LI. Donc je vais en rajouter quelques-uns. Voilà. Alors vous remarquerez la façon dont j'ai disposé mon code, je mets les virgules en début de ligne. C'est juste une convention, c'est une habitude en Helm. Ça fonctionnerait tout aussi bien si je mettais la virgule à la fin de la ligne précédente. C'est juste une astuce qui fait que si je supprime une ligne, j'oublie pas la virgule. Et à l'inverse, si j'ajoute une ligne, j'oublie pas d'ajouter une virgule à la fin de la ligne précédente comme on le fait souvent dans d'autres langages. J'ai appelé un formateur, là, donc un petit raccourci clavier, hein, c'est intégré. Le formateur, ce n'est pas un outil de l'environnement de développement que j'utilise. C'est un outil de base du langage. Ils ont repris une des bonnes idées du langage Go. Il y a un formateur qui vient de base avec le langage. Donc ça fait que tous les programmes Helm, normalement, sont formatés de la même façon, ce qui est assez agréable derrière quand on lit du code appartenant à quelqu'un d'autre. Voilà, donc j'ai créé ma liste, ça s'affiche, pas de problème, parce que là, ça marche. Alors maintenant, si je voulais afficher la liste de tous les personnages du film, ça serait sans doute assez pénible, donc je vais procéder autrement. Je peux dire que ma liste, elle est définie, la liste des variables, enfin des personnages, elle est définie dans une variable, que je vais appeler... Vous comprendrez pourquoi plus tard, je vais l'appeler initial model. Et donc, je vais mettre mes noms de personnages là-dedans. Et donc maintenant, je vais faire quelque chose qui est assez courant dans les langages fonctionnels, hein, très très courant. Je vais parcourir ma liste avec map, la fonction map. Donc map, ça va prendre... chacun des éléments de la liste que je vais lui donner en paramètre. Et pour chacun de ces éléments, on va appeler une fonction et map va passer en paramètre l'élément courant lorsqu'il va appeler la fonction. Donc là, je pourrais faire une fonction viewCharacter. Et donc on va créer cette fonction. Donc cette fonction, elle prendrait en paramètre une chaîne de caractères qui sera le nom du personnage, donc l'élément de la liste sur lequel on est en train d'itérer. Et elle va renvoyer un nœud LI, comme ce qu'on avait précédemment, qui n'aura toujours pas d'attribut et qui aura pour enfant un nœud texte dont la valeur, le texte affiché, ce sera celui qu'on aura passé en paramètre. Donc si je compile ça, le compilateur n'est pas content. Alors
Alors, il ne faut pas mettre un égal. En fait, si... Alors, il faut que je règle les problèmes d'affichage. Je vais essayer de vous montrer ça. En fait, le compilateur me dit, la fonction UL, elle s'attend à avoir 3 arguments, mais tu lui en as donné 4. Tu aurais peut-être oublié des parenthèses ou une virgule. Et effectivement, je vous ai dit tout à l'heure, une fonction est séparée de ses paramètres par des espaces. Donc là, ce qu'il lit, lui, c'est tu appelles la fonction UL, tu lui passes une liste vide, puis une fonction list.map, puis une fonction viewCaractère, puis initialModel en paramètres. Donc, il a l'impression que je lui ai passé 4 paramètres. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je commence par évaluer le résultat de l'appel à list.map. Là. Donc, ça va me donner une liste. Et c'est ça qui va constituer le deuxième paramètre à UL. Donc, si je fais ça, là, ça marche beaucoup mieux tout de suite. Alors ça, c'est ce que je faisais au tout début quand j'ai découvert le langage. Et assez rapidement, j'ai découvert qu'il y avait une façon plus idiomatique d'écrire ça. On va utiliser un opérateur d'application de fonction. Donc c'est la flèche qui est là. Donc ça, ça dit, évalue-moi ce qui est à droite, là, et puis tu le fournis à la fonction qui est à ma gauche. Donc il y a l'équivalent dans l'autre sens, fonction pour aller vers la droite. Donc on prend le résultat de la fonction qui est à gauche, et on le passe comme paramètre à celle qui est à droite. Donc ça, c'est très pratique, je ne vais pas vous le montrer ce soir, je n'en ai pas l'occasion, mais quand vous faites des choses du style « je travaille sur une collection, et puis je trie les éléments, et le résultat, je vais le filtrer, etc. etc. » Donc là, ça vous donne une syntaxe qui est très agréable, avec ces enchaînements de flèches comme ça. On va mettre ça les unes au-dessus des autres et on a quasiment aucune parenthèse. Ça fait quelque chose de beaucoup plus lisible et intuitif. Donc, on itère sur la liste, on appelle viewCaractère sur chacune des valeurs de la liste qui est dans initialModel et puis on crée un ELI pour chacune. Donc voilà le résultat, ça marche. Alors maintenant, peut-être que ma fonction, en fait, je voudrais la rendre un peu paramétrable. Je pourrais dire que je ne passe pas en dur la valeur que je veux afficher, la liste que je veux parcourir. Je vais la transmettre comme paramètre de la fonction view. Ça fonctionne toujours. Hein, je recharge. Alors à chaque fois que là, c'est extrêmement rapide, hein, vous n'avez pas forcément le temps de vous en rendre compte, mais chaque fois que je sauvegarde, que je recharge, il a recompilé, mis à jour l'affichage. Comme le programme est très court, évidemment, c'est instantané. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, on peut peut-être améliorer un peu les choses. Donc là, vous avez vu déjà, le compilateur, tout à l'heure, m'a donné des indications. Il m'a dit, tu as peut-être oublié une virgule. Cet endroit-là. Alors en fait, le compilateur de Helm, il est assez exceptionnel par la qualité de ses messages d'erreur. C'est quelque chose qui a... Enfin, c'est une des particularités du langage. Et on peut l'aider un petit peu. Alors c'est en lui précisant les types renvoyés par nos fonctions ou attendus par nos fonctions. Donc déjà, de base, lui, il sait faire de l'inférence de type. Il y a même une fonction du compilateur qui vous permet de générer... les signatures des fonctions automatiquement. Bon, là, je vais lui donner. Donc, je peux lui dire, par exemple, ma fonction view, elle prend en paramètre une liste de chaînes de caractères. D'ailleurs, initialModel. C'est une liste de chaînes de caractères. Donc, view va prendre en paramètre cette liste de chaînes de caractères, mais va renvoyer quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être du HTML qui peut produire des messages. Donc là, on a ce qu'on appelle un constructeur de type. Donc pour faire simple, on va dire que c'est un type HTML qui peut émettre des messages. Et pour l'instant, ce sont des messages génériques. Il n'y a pas de majuscule au début de MSG, ça veut dire que ce n'est une étiquette. Ce n'est pas un type bien précis. Donc on peut comparer ça à des génériques. En fait, c'est un peu générique, on dit voilà, il peut émettre des messages, il y a plusieurs types de messages, on ne sait pas encore lequel on va émettre, c'est générique. La fonction viewCaractère, ça va ressembler un petit peu à ça. Elle va prendre en paramètre
une chaîne de caractères, donc le nom de mon personnage. Elle va émettre des messages, là encore, on n'a pas précisé quel type de message, ça reste assez générique. Donc si je fais tout ça, ça plante parce que je me suis trompé quelque part, j'ai mis deux fois deux points. Voilà. Et pas que, cannot find type HTML. Pardon ? Alors non, c'est pas ça. Cannot find type HTML.html. Ah oui, alors voilà. C'est parce que je lui ai dit, tu m'importes le module HTML hein, et tu m'exposes ces trois types-là. Maintenant, en fait, HTML ici, c'est également un type. C'est le HTML, ça c'est le nom du module, mais ça c'est un type. Donc il faudrait que je lui dise ici, importe-moi HTML, le type HTML. Donc là, ça marcherait mieux. Maintenant, on ne va pas importer comme ça tous les tags du langage, et ça serait assez fastidieux. On va lui dire, importe-moi tout ce qui est disponible, tout ce qui est exposé par le module HTML. Voilà, donc là, bon, j'ai mon appli, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis assez content. Elle est déjà extrêmement impressionnante, je trouve. Je vais essayer de l'enrichir un petit peu encore. Je voudrais, quand je clique sur le nom d'un des personnages, ça m'indique quel est le personnage que j'ai sélectionné. Donc pour ça, il va falloir que j'enrichisse un peu mon appli et que j'utilise ce qu'on appelle l'architecture Helm. Alors une particularité de ce langage, qui est étonnante quand on vient du JavaScript, c'est qu'il n'y a pas de framework. Il n'y a pas de framework parce qu'il n'y en a pas besoin. Il y a déjà ce qu'il faut dans le langage. Ça s'appelle l'architecture Helm. Le principe de l'architecture Helm, c'est, ça va parler à ceux d'entre vous qui ont utilisé React et Redux ou Vue.x, des choses comme ça. Le principe, c'est qu'on a un modèle, un objet modèle qui est immuable, que la vue va être chargée de faire le rendu de ce modèle, d'afficher ce modèle. Elle va émettre des messages qui vont être interceptés par une fonction qui s'appelle update. Donc c'est le runtime Helm qui détecte qu'il y a eu une émission de message par la vue, qui va invoquer la fonction update. Il va lui dire, tiens, voilà le message qui vient d'être émis et le modèle courant. La fonction update va analyser le message, produire un nouveau modèle à partir de l'ancien, puisqu'il est immuable, on ne modifie pas un modèle, on en crée un nouveau à partir de l'ancien, et Update va renvoyer ce nouveau modèle. Le runtime Helm, à ce moment-là, prend le nouveau modèle, invoque la fonction View, et lui dit « mets-toi à jour ». Donc on a une boucle, la vue émet un message, la fonction d'Update met à jour le modèle en fonction du message. Je dis « mets à jour », c'est un abus de langage. Hein. Elle génère un nouveau modèle à partir du message. Et puis, la vue est invoquée pour remettre à jour l'affichage. Et ça boucle comme ça, c'est tout. Donc, l'architecture Helm, c'est juste ça. Donc, quand je vous dis, ça évoque peut-être Redux ou Vue.x à certains d'entre vous, bah, c'est tout simplement parce qu'ils se sont inspirés de Helm, en fait. C'est... mettre en œuvre cette architecture, on va devoir ajouter quelques éléments supplémentaires dans notre application. Le premier que je vais devoir invoquer, c'est Beginner Program. C'est le moyen le plus simple de créer une application Helm, un petit peu qui se base sur l'architecture Helm. Donc, Beginner Program, c'est une fonction exposée par le module HTML. Elle prend en paramètre ce qu'on appelle un record. Record, en fait, c'est une structure. Donc, la structure en question, elle doit obligatoirement avoir trois paramètres. Le premier, c'est. Trois propriétés. La première propriété, c'est le modèle. On va lui dire quelle est la valeur initiale de notre modèle. Donc, ça tombe bien, on en a une. Elle va prendre un second paramètre qui est une fonction chargée de mettre à jour la vue. Donc la propriété s'appelle view, et de façon assez habituelle, j'ai nommé ma fonction view également. Et le troisième paramètre qui va être nécessaire à l'exécution de la fonction, ça va être la fonction qui est chargée de la mise à jour de l'affichage, la mise à jour du modèle, pardon. Donc on va l'appeler update.
Donc il va falloir que je crée une fonction update qui prendra en paramètre une liste de chaînes de caractères puisque c'est le type actuel de mon modèle et qui va prendre un deuxième paramètre. Elle va prendre un premier paramètre qui est le message qui a été émis par la vue, un deuxième qui est le modèle, donc la liste de chaînes de caractères courants, et ça va me renvoyer un modèle, un nouveau modèle, donc une liste de chaînes de caractères également. Donc cette fonction update, son premier paramètre, on va l'appeler message pour qu'il n'y ait pas de confusion. Le deuxième, ce sera modèle. Et on va faire la fonction d'update la plus simple possible. C'est une fonction d'update qui ne fait rien. Elle va renvoyer un modèle identique à celui qui lui a été passé en paramètre. Si je fais ça, ça fonctionne toujours. J'ai rien cassé. Voilà. Par contre, maintenant, je vais pouvoir commencer à introduire un peu de dynamisme dans mon application, jusqu'à présent, elle était complètement statique. Donc, si je veux afficher le nom du personnage sélectionné, il va falloir que je mémorise quel est le personnage sélectionné. Alors, pour faire ça, je vais avoir besoin d'un modèle un petit peu plus sophistiqué. Je ne vais pas pouvoir me contenter d'avoir une liste de chaînes de caractères. Donc, je vais déclarer un type modèle, donc avec type alias. Donc, ce type, donc comme tous les types en Helm, son nom commence par une majuscule. Et donc, je vais dire que c'est un record, donc une structure, qui a deux propriétés. La première, ça va être la liste des noms des personnages. Donc, ça va être une liste de chaînes de caractères. Et ça ne change pas trop. Et deuxième propriété, ce sera le nom du personnage sélectionné. Ce sera juste une chaîne de caractères. Donc je vais modifier mon code maintenant. Je veux dire par exemple initial model, il est de type model, c'est plus une simple liste de chaînes de caractères. Donc je vais l'initialiser, ce modèle initial, en lui disant bah, la liste des caractères au démarrage, c'est ça. Donc volontairement, je ne vais pas initialiser le personnage sélectionné. Donc si je compile ça, ça ne lui plaît pas du tout. Alors, hop, essayer de rendre ça lisible. Alors, j'ai pas fini. Alors, donc il me dit par exemple, la définition de initial model ne correspond pas à son annotation de type. L'annotation de type dit que c'est un modèle, mais la définition extraite à partir du code, ce qu'il a lui inféré à partir du code, c'est que j'ai un record qui a un champ characters de type liste de chaînes de caractères. Donc ça, c'est ce qu'il a déduit du code qui est ici. Et il me donne un indice, il me dirait que tu as oublié le champ selected character dans le record. Donc vous voyez, quand je vous dis que le compilateur produit des messages d'une qualité largement au-dessus de la moyenne, c'est qu'il me dit pourquoi ça ne marche pas, est-ce que j'aurais dû faire pour que ça marche. Et en fait, très souvent en Helm, on peut se laisser guider par le compilateur juste en lisant attentivement les messages, on arrive à comprendre facilement pourquoi ça ne marche pas, ce qu'il fallait faire, etc. Bon, ça ne marche pas à 100%, mais c'est quand même assez fréquent que le compilateur nous donne la solution directement et qu'on n'ait pas besoin de réfléchir trop. Voilà. Donc je vais obtempérer bien sagement, je vais définir le personnage sélectionné initialement qui sera une chaîne vide pour l'instant. Donc je dis nul, c'est complètement faux, on ne peut pas avoir de valeur nulle en Helm, ça n'existe pas. Et après, bah, il va continuer à râler, il me dit en gros que mes champs modèles ne sont pas pertinents. Donc effectivement, maintenant mon modèle n'est plus une liste de chaînes de caractères. Ça va être un type modèle. Et donc il va falloir que je change deux ou trois choses. Par exemple ici, je vais dire que j'itère sur les personnages et plus sur les et plus directement sur le contenu de modèle.
Donc ça y est, ça recompile. Donc maintenant, on a bien un objet de type modèle qui a une propriété selected character. Je vais pouvoir renseigner cette propriété. Donc ce que je voudrais, c'est que quand je clique sur un personnage, le nom de ce personnage vienne dans selected character. Donc pour faire ça, je vais avoir besoin de détecter le clic sur un élément Eli. Et je vais faire appel à une deuxième librairie Helm qui va être HTML events. Et on va retrouver des choses assez familières du langage HTML, comme le onClick, ici. Et donc, je vais pouvoir dire que mon ELI, il a un attribut qui sera onClick. Et quand on va cliquer, il va falloir émettre un message. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de message, j'en ai pas défini. Donc, c'est ce qu'on va faire ensuite. On va créer un type message. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle en Helm un union type. Donc, c'est un type qui va être... qui peut avoir plusieurs valeurs. Donc, par exemple, donc le type message, ce sera select. Donc, un premier type de message, c'est select. Je veux sélectionner quelque chose. Alors, sélectionner quelque chose, c'est sélectionner un nom. Donc, il faudrait que je dise que le message select véhicule une chaîne de caractères. Donc, je vais écrire ça comme ça. Alors on dit que c'est un union type parce qu'on peut dire qu'un message il a plusieurs valeurs possibles. Ça pourrait être par exemple unselect. Si je rajoute cette action après, je vais le faire, hein. Même pas peur. Je vais décrire ici toutes les valeurs possibles que peut prendre un message. Et il n'y a pas forcément de symétrie. C'est-à-dire que unselect, je n'ai pas besoin de véhiculer une chaîne de caractères, je n'ai pas besoin de véhiculer le nom, ce sera juste unselect. Et en fait, dans une appli Helm, en général, on met dans les messages, comme ça, toutes les actions possibles dans la page. Donc s'il y avait les moyens de se loguer, par exemple, sur cette page-là, je rajouterais un type login avec une première chaîne qui serait mon mot de passe, enfin mon identifiant, la deuxième le mot de passe. Je pourrais rajouter un logout, etc., etc. Voilà, donc c'est comme ça souvent qu'on sait ce qu'il est possible de faire dans la page. Donc pour l'instant, alors ce soir on ne fera pas le login et le logout. Le unselect, je vais le commenter parce que je vais le faire, mais après. Donc commentaire, vous voyez, c'est deux tirets, c'est un peu surprenant au début. Là aussi, mais moins pour ceux qui sont déshabitués des langages fonctionnels. J'ai déclaré un type message, et le message, ça peut être un select. Donc maintenant, mon onClick, il va pouvoir émettre des messages, et par exemple, il va pouvoir émettre un select. Et il va falloir lui dire quel est le personnage que j'ai sélectionné. Ben, ça tombe bien, c'est l'attribut name que j'ai ici qui va me le dire. Alors si je compile ça, là encore, il va râler, on va retrouver le même problème que tout à l'heure, où il me dit « onClick s'attendait à avoir un argument, mais tu lui en as donné deux. » Tu n'aurais pas oublié les parenthèses. Eh oui, c'est vrai. Donc là, je pourrais mettre des parenthèses sur « selectName » ou, de façon plus habituelle en Helm, je peux utiliser cet opérateur que vous connaissez maintenant. Donc maintenant, par contre, lui, il est toujours pas content parce qu'il me dit « au fait, tu émets des messages... » Il me dit, tu émets des messages. Alors, désolé, c'est un peu pénible l'affichage là, mais il me dit, tu émets des messages MSG et ton annotation de type te dit qu'elle est générique, que tu peux renvoyer n'importe quel type de message. Or, c'est pas vrai, tu n'émets que les messages qui sont décrits ici. Donc, il me demande de corriger mes signatures. Voilà. Et maintenant, il est beaucoup plus content, il ne râle plus. Donc j'ai indiqué clairement que mes fonctions ne peuvent émettre que les messages qui sont ici. Alors, les messages, les émettre, c'est bien, mais il faudrait peut-être aussi les traiter pour mettre à jour le modèle en fonction du message en question. Donc on va aller modifier la fonction update, hein, et je vais utiliser pour ça ce qu'on appelle du pattern matching. Donc là encore, c'est quelque chose de très très courant dans les langages fonctionnement purs. Donc ça va s'exprimer comme ça. Je vais dire, dans le cas où mon message est de type select
Alors, si c'est un select avec une valeur derrière, donc là, je pourrais mettre un peu n'importe quoi. Je mets name pour, par souci de clarté, mais ça pourrait être n'importe quel autre nom de variable. Donc si le message, c'est un select qui véhicule un nom de personnage, alors la valeur de retour de ma fonction, ça va être un nouveau modèle que je vais bâtir sur le modèle courant qui m'a été passé en paramètre. Je vais partir de ce modèle-là et je vais en créer un nouveau dans lequel je vais changer une propriété qui sera selected character, donc le nom du personnage sélectionné. Et cette propriété, je vais lui donner pour valeur name, puisque j'en dispose. Donc si je fais ça, ça marche, ça compile. Jusque-là, ça va. Mais en fait, il ne se passe rien, puisque pour l'instant, j'ai bien sélectionné, j'ai mis à jour, j'ai détecté le clic, j'ai mis à jour mon modèle, mais je n'affiche pas le nom du personnage sélectionné, donc ça ne peut pas marcher. Donc je vais venir modifier ma vue pour lui dire, bah, maintenant, je voudrais afficher le nom du personnage sélectionné. Donc je vais mettre un nœud parent au-dessus de mon UL, ce sera un div. Ce div, son premier enfant, ce sera le nœud, la liste qu'on a ici. Et on va lui ajouter un deuxième nœud qui sera un paragraphe HTML avec pas d'attribut, toujours, et comme contenu, un texte. Et ce texte, ce sera le nom du personnage sélectionné. Donc. Donc si je compile ce truc-là, si je clique, ça marche. Je vois mon nom de personnage sélectionné. Donc là, on a la boucle, l'architecture Helm qui est en action. Je clique, ça émet un message. Update met à jour le modèle. Renvoie un modèle modifié. Le runtime Helm rappelle la vue avec ce nouveau modèle qui affiche le nom du personnage sélectionné. Ça, c'est pas mal. Maintenant, je pourrais peut-être être un petit peu plus améliorer un tout petit peu la présentation de ma fantastique application. Je vais lui dire, tu mets un petit message pour indiquer que c'est le nom du personnage sélectionné. Alors, la concaténation, l'opérateur, c'est plus plus. Hein, vous avez vu, donc Helm, c'est un langage très fortement typé. Quand je dis très fortement, c'est pour reprendre ce que j'ai entendu ici il y a une semaine, c'est dire plus typé que Java, par exemple. Donc le plus, c'est un opérateur qui permet de faire des additions entre des nombres, et ça ne permet pas d'ajouter des chaînes. Donc on a un opérateur dédié qui s'appelle plus pour concaténer des chaînes. Là encore, je vais devoir dire, tu m'évalues ce qui est à droite, là, avant de le passer à la fonction texte. Voilà, donc j'ai affiché mon texte, c'est bon, ça marche. Donc j'ai ce truc-là. Maintenant, j'aimerais bien, quand mon appli démarre et que j'ai aucun personnage sélectionné, bon, c'est pas très clean, là, ce selected car là, qui est pas très... on va le compléter d'ailleurs... c'est pas très joli, donc je voudrais un truc qui me dise, bah, si j'ai pas de personnage sélectionné, à ce moment-là, je mets un message qui invite l'utilisateur à en sélectionner un. Donc je vais faire ça en allant modifier le... en générant une vue qui peut... comment dire? Je vais pas mettre toujours le même contenu comme deuxième paramètre de la vue. Donc je pourrais créer une fonction... c'est courant, je vais créer une fonction viewSelection, je vais lui passer mon modèle et je vais dire ici que viewSelection donc qui prend en paramètre un modèle va me produire va produire du HTML qui peut émettre des messages, là encore. Et donc viewSelection donc ce qu'elle produirait cette fonction à la base, c'est ce qu'on renvoyait enfin si je fais ça, je vais avoir exactement le même fonctionnement qu'auparavant, hein, ça ne change rien. Donc là on va ajouter une condition, on va dire si le modèle
Si le personnage sélectionné, il n'y en a pas, si c'est vide, à ce moment-là, je vais renvoyer, par exemple, un nœud type P toujours, avec comme texte un petit texte par défaut. Voilà. Et puis sinon, je renvoie ça. Alors le sinon, il est obligatoire. Un if, il y a toujours un else en Helm, on ne peut pas ne pas traiter certains cas. C'est impossible. Le compilateur va le refuser. Là, si j'essaie de compiler ça comme ça, j'ai un message d'erreur, ça ne marche pas, il n'en veut pas. Donc, si je mets le else, ça ne va peut-être pas compiler non plus, mais si. Donc ça marche. Donc si je mets le else, là, ça fonctionne, j'ai mon message initial, hein, et puis dès que je sélectionne un personnage, je vois ce qui est sélectionné. Donc on va composer la vue comme ça, avec un certain nombre de fonctions, on va pouvoir introduire un peu de sémantique, enfin avoir quelque chose d'assez parlant. Donc vous pouvez avoir une fonction, par exemple, une fonction view, qui appellerait une fonction viewHeader, une viewFooter, et puis une viewContent. Et comme ça, vous allez structurer votre vue. Ça va vous faire quelque chose dans lequel on ne va pas avoir un énorme pavé de code HTML. Voilà, au contraire, ça va être très découpé et on peut itérer sur des listes pour produire. On peut appeler des fonctions HTML, pardon, des fonctions Helm, puisque la vue en fait est constituée uniquement avec des fonctions. On n'a pas de notion de template, par exemple, hein, ça n'existe pas. Voilà. Donc. J'ai sélectionné. Voilà. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est un dernier truc, c'est ajouter un bouton pour désélectionner le personnage courant. Alors, pour faire ça, bah, je vais enrichir un petit peu ma vue ici. Donc, je vais dire que je retourne un paragraphe dans lequel j'ai plusieurs enfants. On peut avoir un nœud break. Et puis un nœud pour un bouton qui s'appellera, je sais pas, reset par exemple. Voilà. Donc ça c'est le texte qu'on va afficher dans le bouton. Et on va faire un onClick. Alors on va émettre un nouveau type de message. C'est là qu'on va retrouver notre onSelect. Donc je vais dire. Quand on clique, on envoie un message unselect. Donc, si je compile ça, hop, là, j'ai oublié un caractère. Ça ne suffit pas. Donc c'est un nœud. Ah non, c'est pas ça. Texte. Alors, j'ai un texte qui prend ça. Zut, je l'ai. Alors, un espace où ? Non, ça, je pense pas. C'est ça que tu veux dire ? Ouais. Non, ça, il s'en fout. Non, il est pas contrariant sur les espaces et des choses comme ça. Alors, end of input ou white space ? Donc, il me manque. J'ai un doute. Donc. Non. Alors. Voilà. Donc, c'est ça. En fait, il y a besoin. Enfin, là, il faut que je suis obligé de mettre des parenthèses. Pour le coup, c'est assez rare, mais il faut que j'en mette. Pour qu'il évalue qu'il distingue bien la fin de la première expression de ce qu'il y a derrière. Alors là, le compilateur ronchonne, mais ça je m'y attendais. Donc j'ai déclaré un type message là, en disant maintenant le type message ça peut être soit un select, soit un unselect. Et j'émets des unselect. Et du coup, le compilateur me dit le case dans la fonction d'update, hein,
ne traite pas toutes les possibilités. Tu as traité le select là, mais il me dit tu as oublié de traiter le unselect. Il faut ajouter une branche pour couvrir ce pattern. Donc là encore, d'une part, le compilateur me guide et me dit ce que j'aurais dû faire et que j'ai oublié de faire. Mais d'autre part, il m'interdit de faire un programme qui pourrait ne pas couvrir tous les cas. Je suis obligé de couvrir le cas du unselect. Si j'ai dit que les messages pouvaient être unselect, il va m'obliger à traiter ce cas-là. Donc je ne peux pas avoir un programme dans lequel il y a des trous, dans lequel il manque quelque chose qui aura été oublié à la conception du programme. Donc on va faire un peu quelque chose d'assez similaire. On va dire quand tu désélectionnes, eh ben tu mets simplement le unselected character, le champ unselected character du modèle à chaîne vide. Et donc maintenant, si j'exécute ça, quand je sélectionne, je vois mon bouton reset. Si je clique dessus, j'ai désélectionné, je reviens à mon état initial. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour le code. Ça vous donne un petit aperçu de ce que c'est ce langage. Et puis on va passer à une deuxième partie de la soirée. Alors, qu'est-ce que vous allez voir comme affichage? C'est un peu compliqué pour moi. Hop. OK. Donc, si on recommence un petit peu au début, qu'est-ce que c'est Helm? Donc, c'est un langage de programmation qui implémente le paradigme de programmation réactive fonctionnelle. Donc, c'est un paradigme dans lequel on va traiter des événements enfin, c'est bâti autour de la notion de propagation de changement de valeur. Donc c'est le runtime Helm qui va décider quand des valeurs doivent être propagées et donc quand le modèle ou la vue doivent être mis à jour. C'est pas vous. Vous dites ce qu'il faut faire et c'est lui qui décide quand il faut le faire. Vous n'avez pas à vous en occuper. Donc ça facilite vraiment la création d'applications réactives, donc en particulier tout ce qui est IHM. Donc ça tombe bien, Helm s'est fait pour l'instant pour faire des IHM et uniquement ça. On a dit que c'était un langage purement fonctionnel, donc on a vu que tout était immuable en M. En fait, la notion de variable, normalement, même si j'emploie ce mot par abus de langage, elle n'existe pas. C'est des valeurs immuables systématiquement. À chaque fois que je crée un modèle, je ne le modifie pas, malgré ce que je dis, je vais générer un nouveau modèle à partir de l'ancien. C'est complètement compatible avec le JavaScript. D'ailleurs, bon, je vous ai dit, le résultat de la compilation, c'est un fichier JavaScript. Il est compilé par le compilateur Helm qui est écrit en Haskell, donc un langage fonctionnel plus riche, plus complexe aussi un peu que Helm. On peut interagir avec le JavaScript. Il y a une notion qu'on appelle les ports qui vont vous permettre d'appeler des fonctions JavaScript à partir de Helm. S'il y a des choses qui ne sont pas disponibles dans Helm, vous avez toujours la possibilité d'appeler du JavaScript. A l'inverse, vous pouvez, à partir du JavaScript, appeler votre code Helm par les ports également. Donc, je vous l'ai dit, c'est fortement typé, très fortement typé. Le compilateur va faire de l'inférence de type, mais on vous recommande de noter les annotations, de mettre les annotations. Ça sert de documentation, tout simplement. Et puis, ça aide le compilo à vous fournir des messages d'erreur plus pertinents, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, qui est derrière? Eh ben, c'est pas Facebook. C'est Evan. Je prends pas de risque. Donc c'est Evan. Et Evan, en fait, il a créé Helm pendant sa thèse en 2012. Enfin, qu'il l'a publié en 2012, j'imagine, ça faisait quelques années qu'il y travaillait. Moi j'aime beaucoup l'approche qu'il a. Il s'est dit, c'est un langage de programmation, c'est là pour durer, c'est là pour des décennies. Il prend vraiment le temps de faire les choses bien.
correctement, même s'il a de la pression, par exemple, ça fait un moment là, qu'il a de la pression pour sortir la version 0.19 du langage. Il essaie de ne pas céder à cette pression. Et je prends le temps de faire les choses bien, parce qu'une fois que quelque chose est publié et installé, ben, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc on voit ça dans d'autres langages où on vit avec un héritage qui est assez pénible parfois, et puis on va rendre des choses obsolètes et tout. Lui, il essaye de prendre vraiment le temps d'évaluer tous les cas d'usage, d'avoir des feedbacks de la communauté avant d'implémenter des choses dans le langage. Ce qui fait que quand il y a des montées de version, j'en ai vécu une, franchement c'est trivial. J'ai fait des montées de version de M0.17 à M0.18. J'étais en train d'apprendre le langage et j'ai mis à jour tous les exemples d'un tuto en ligne, quoi. Enfin, un gros tuto. Mais voilà, j'ai pu le faire alors que je découvrais le langage. C'était franchement pas. C'était à la portée d'un débutant, hein. Donc ça veut dire qu'il y a peu d'évolution. Quand il y en a, elles sont très mûrement réfléchies. Donc c'est quand même assez sympathique comme approche. Donc il a été recruté d'abord par Prezi, puis ensuite par une boîte qui s'appelle NoRed Inc., qui le paye pour continuer à développer le langage. C'est une boîte qui utilise énormément Helm, on s'en douterait, en production bien sûr. Et il a créé une fondation l'année dernière, si ma mémoire est bonne. Il a créé une fondation pour s'assurer justement que le langage ne serait pas dépendant d'une entreprise. Si demain NoRed Inc. Venait à le licencier ou avait des vues sur Helm, c'est pas un problème. Il a des plans pour garantir l'avenir de Helm dans les 5 à 10 ans à venir, même si demain il était licencié, ce serait. Il a pris toutes les mesures pour que ce soit que le futur du langage soit assuré. Alors, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un langage que j'aime bien parce qu'il a il a tout un tas de points forts. Le premier, c'est la fiabilité. Il n'y a pas de valeur nulle, il n'y a pas de undefined is not a function, des choses comme ça. Quand un programme Helm compile, il marche. Et une énorme différence du coup quand on est développeur avec ce langage, c'est qu'on passe beaucoup moins de temps dans le navigateur que quand on code en JavaScript. On passe l'essentiel de son temps dans l'éditeur de code, dans l'IDE. Et quand vous avez votre truc qui compile, votre programme qui compile, vous allez dans la page, ça s'affiche, il n'y a pas de surprise. Et ce qui s'affiche, c'est bien ce que vous avez codé. Après, si vous avez codé un fonctionnel qui n'est pas celui qui est demandé, évidemment, il n'y a pas de miracle, hein, ça ne va pas corriger votre code pour vous, mais vous n'avez jamais de mauvaise surprise du style bah, « tiens, ça ne s'affiche pas, il y a une exception », des choses comme ça. Et cette fiabilité, elle est constatée par des gens qui utilisent Helm en prod. Donc l'année dernière, je suis allé à la conf Helm Europe à Paris. J'ai rencontré là-bas des gens qui avaient des dizaines de milliers de lignes de code Helm en production et qui m'ont dit bah, « nous, on n'a jamais eu une erreur en prod. Rien. Zéro. La promesse est tenue. » Donc c'est le compilateur qui vous garantit ça, et c'est vraiment une des forces. Autre chose qui est sympathique en Helm, c'est qu'il est relativement simple. Je dis bien relativement, mais pour un langage fonctionnel, c'est un des plus faciles à aborder. C'est justement un bon moyen de démarrer les langages fonctionnels purs. Il y a moins de concepts que dans Haskell ou d'autres langages plus riches. C'est une volonté de la part de Evan pour populariser un peu la programmation fonctionnelle et rendre le langage abordable. Il a éliminé tout ce qui n'était pas indispensable. Il a éliminé les concepts fonctionnels un peu avancés. On ne les trouvera pas ou pas de façon explicite dans le langage, ce qui le rend plus simple à prendre en œuvre, à mettre en œuvre et à découvrir. Un autre truc qui est sympathique et qui le rend simple aussi, c'est que tout est inclus de base dans le langage. Donc là, j'ai un petit comparatif. Je me dis, bah, si je prenais la même chose en JavaScript, si je voulais faire la même chose que Helm en JavaScript, il me faudrait un gestionnaire de dépendance. Helm vient avec le sien. Webpack, un framework, un Redux. Bah, Redux, on a vu que c'était l'architecture Helm, en fait, qui est de base dans le langage. Un langage supplémentaire pour ajouter du typage. Bon, mais voilà.
Et puis un peu d'immuabilité ou des collections avec immuable.js. Mais tout ça, en fait, tout ce qu'on trouve en JavaScript, c'est pour, enfin, un peu méchamment, je dirais, c'est pour singer ce qui se fait dans Helm ou dans d'autres langages. On va essayer de copier un peu ce que fait Helm, mais à chaque fois, ça repose sur la bonne volonté du développeur. Si vous ne respectez pas les bonnes pratiques pour utiliser Redux, bon, bah, vous allez modifier votre modèle directement, des choses comme ça. Bon, en Helm, c'est impossible. Vous ne pouvez pas le faire. Le compilateur vous interdit d'appliquer ce qui est considéré comme des mauvaises pratiques dans d'autres langages si vous le faites. En JavaScript, personne ne vous l'interdira. Ça repose que sur votre bonne volonté à vous. Et s'il y a quelqu'un dans l'équipe qui ne fait pas attention, eh ben, vous en paierez les conséquences. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est la gestion des packages. Donc Evan a des visions très radicales sur le sujet, mais qui sont très intéressantes. Alors, première chose, c'est qu'il a décidé que sur le dépôt de paquets Helm, on aurait uniquement des paquets écrits en Helm à 100%, pas de JavaScript. Ce qui fait que vous avez des garanties. Même si techniquement c'est tout à fait possible de faire des paquets dans lesquels il y a du code JavaScript, hein. Là vous allez avoir des garanties. Vous êtes sûr que si vous prenez un paquet sur le dépôt officiel, il n'y aura pas de choses un peu louches qui ne seront pas vérifiées par le compilateur. Vous bénéficierez de toute la sécurité que vous apporte le compilateur. Deuxième chose, c'est sur le semantic versioning. Semantic versioning, ça dit si tu casses ton API, tu changes le numéro de version majeure. Ben là, c'est codé en dur. C'est-à-dire que l'outil de gestion de package va vérifier si vous voulez publier un nouveau package sur le dépôt officiel, il va vérifier si l'API exposée a changé par rapport à la version précédente. Si vous avez changé votre API, vous avez introduit un changement qui fait de la casse, et que vous n'avez pas changé votre numéro version majeure, il va refuser de publier le package. Ce qui veut dire pour vous, en tant que développeur, si vous récupérez un paquet et que le numéro de version majeure n'a pas changé, et bien vous savez qu'il n'y aura pas de souci normalement à l'intégrer dans votre code, ou à l'inverse, si vous voyez que le numéro de version majeure a changé, vous savez qu'il faut faire attention. Donc ça a au moins le mérite d'être hyper clair, on n'a pas de mauvaise surprise là encore. Je vous disais, la clarté des messages d'erreur du compilateur était exceptionnelle. J'espère que les quelques exemples que je vous ai montrés vous ont convaincu. Donc il y en a un qui est convaincu, c'est John Carmack, donc quelqu'un d'assez connu dans le monde du développement. Le compilateur Helm, ses messages d'erreur ont inspiré du monde. Rust. Les développeurs de Rust ont dit il faut qu'on fasse la même chose. Scala, si j'ai bien compris, ils sont en train de réécrire le compilateur, ou en tout cas la partie message d'erreur pour qu'elle s'inspire de Helm, etc. Donc une fois encore, c'est un langage qui est bourré de bonnes idées et qui sert d'inspiration à plein de gens derrière. En termes de productivité, j'ai pu constater, on me l'avait dit, mais je l'ai pu le vérifier, quand on a mis en place un petit peu sa structure. Là. Ajouter le unselect, ça se fait vraiment en quelques secondes. Bon, là, ce soir, je prends mon temps, je vous explique des choses en passant. Mais franchement, on peut être extrêmement productif avec Helm. C'est ce que m'ont confirmé aussi les gens qui l'utilisent en production sur des grosses applis. Et puis, quelque chose que je ne vous ai pas montré ce soir, c'est la testabilité. En fait, l'essentiel de votre application est testable. Alors c'est facile parce qu'on est dans un langage fonctionnel. Dans un langage fonctionnel comme celui-là, les fonctions sont pures. Une fonction pure, ça veut dire que c'est une fonction qui, quand elle est appelée avec un jeu de paramètres donné, renverra toujours la même chose. Il n'y a pas de notion d'effet de bord, c'est impossible. Le résultat renvoyé par la fonction ne peut pas dépendre d'une valeur, une variable globale ou un truc comme ça. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Donc le résultat dépend uniquement de la valeur des paramètres qui ont été passés à la fonction. Du coup, c'est très facile d'écrire des tests. Il y a un framework qui s'appelle mTest, qui est un framework de test, bref, là encore, qui a un peu de base avec le langage, et qui permet d'écrire des tests assez avancés, avec du fuzzing, des choses comme ça. Et vous pouvez même tester la vue. Puisque la vue, c'est juste des appels à des fonctions Helm,
que ça produit des types Helm, etc., vous pouvez très facilement tester votre vue avec des tests unitaires. Et le code Helm est très souvent, on va écrire moins de tests que dans d'autres langages. Parce que parfois, écrire les tests, finalement, ça revient à écrire ce qui est écrit dans la fonction. Les fonctions, le langage est comment dire, écrire et le langage décrit ce que doit faire la fonction. Quand vous lisez le code de la fonction, ça vous décrit ce que c'est. Et pour beaucoup de fonctions assez simples, il n'y a même pas besoin d'écrire de test parce que c'est vraiment, ce serait paraphraser le code de la fonction. On ne peut pas faire plus simple. Quelque chose que je peux vous montrer très rapidement et qui est inhabituel, c'est un time traveling debugger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est ? Ouais, pas mal. Alors, donc ça c'est un autre truc sympa. Donc là je vais changer d'environnement pour vous le montrer. Voilà. Alors, par contre, vous avez... Make. Ouais, ça, ça va pas aller. Zut. Alors, hop, est-ce que je peux effacer ça ? Voilà. Donc là, on va retrouver une application que vous connaissez bien maintenant. Donc si je joue un petit peu avec, je clique à droite à gauche. Clac. Je vais... J'ai ici ce petit affichage là. Donc je peux explorer mon historique. Et donc je vais retrouver les messages qui ont été émis et traités donc par la fonction d'update. Et pour chaque message, je vais pouvoir explorer le modèle. Donc en fait, je ne dispose pas pour débugger que de l'état actuel de mon application, comme dans un débugger classique où je mets un point d'arrêt et là je vois dans quel état est mon application. Là, je peux retrouver tout l'historique. Je peux savoir, donc là j'ai l'état, le dernier état auquel je suis arrivé et je vois les états par lesquels je suis passé auparavant. Et je peux même exporter ça pour pouvoir le rejouer, pour pouvoir le donner à quelqu'un. Donc c'est juste un petit export en JSON. Hein. Je peux le donner à quelqu'un qui va pouvoir rejouer. Donc un collègue qui veut débugger mon appli, il peut le faire en rejouant exactement les steps qui m'ont amené à un problème. Donc si vous avez un testeur, par exemple, vous lui dites, quand tu rencontres un bug, tu fais un export du debug, et puis après vous le reproduisez chez vous avec ça, pour mettre au point. Donc ça, c'est quelque chose d'inhabituel, ça change complètement la façon de débugger, je ne vous le cache pas, c'est assez déroutant un petit, au début, ça. Alors, si on revient maintenant ici. Voilà. Rien à faire. Non, t'as rien à installer. C'est quand tu compiles l'application, si tu la compiles en mode debug, il va générer le code pour ça. Donc t'as absolument pas besoin d'outils supplémentaires. En fait, l'outillage, t'as très peu de choses. T'as besoin de ton IDE avec un plugin pour Helm, mais en dehors de ça, il n'y a quasiment pas d'outillage parce que tout est de base. Le gestionnaire de package, le formateur de code, le débugger, etc. Alors, je vais reprendre. Maintenant, j'ai été joueur. Parce que je vais montrer ça. Hop. Là, il faut que j'arrive à choper ça. Bon, tant pis.
Je vais faire autrement. Hop. Donc, là où j'en étais, la testabilité, le time traveling debugger. Et alors, pour finir, le dernier point positif, hein, c'est d'après beaucoup de. Enfin, d'après certains en tout cas, c'est la killer feature de Helm, c'est la maintenabilité du code. Le compilateur rend très simple le refactoring. Vous changez la signature d'une fonction, il va vous dire attends, il faut que tu ailles modifier là, là et là. Et en plus, vous avez vu les messages erreurs du compilateur, il est franchement sympa avec nous. Vous ajoutez un paramètre, même chose, etc. Donc ça fait que les applications Helm grossissent bien en production, elles se comportent très bien. Chez Node-RED Inc., ils ont plus de 100 000 lignes de code Helm en prod. Alors le formateur fait que ça fait des programmes un peu longs, hein, plus on a des lignes courtes et beaucoup de lignes, des espaces et tout, mais voilà. Et j'ai discuté avec des gens qui ont 20, 30 000 lignes de code en prod, et ils constatent ça aussi, ça grossit vraiment bien, il n'y a pas de souci. Donc il y a une communauté assez riche, il y a deux livres en cours d'écriture. Petit point faible quand même, c'est qu'il y a un des deux bouquins, l'écriture est stoppée depuis des mois, j'espère que ça va reprendre bientôt. Ne serait-ce que parce que je l'ai acheté. Mais sinon, je vais voir l'auteur bientôt, je vais lui poser des questions. Voilà, il y a une communauté donc, qui est très, très conviviale. Il y a un Slack, un Discourse où vous pouvez poser des questions. Il y a des podcasts, de la doc et tous les tutos, c'est pas un problème. Bon, maintenant, c'est pas parfait, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Hein. Il y a des problèmes avec le langage, comme avec n'importe quel autre langage. Le premier, c'est la courbe d'apprentissage. Moi, c'était mon tout premier langage fonctionnel et je n'en avais jamais fait. Je n'ai pas un parcours universitaire classique ou des choses comme ça, donc je n'avais jamais fait de fonctionnel avant, contrairement peut-être à quelques-uns d'entre vous. Et du coup, ça piquait un peu le début. Hein. J'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre. Maintenant, bon, c'est, et puis, je fais ça à mes heures perdues. Mais maintenant, j'ai vraiment aimé et j'ai envie de continuer à en faire. Et puis, ça m'a facilité énormément la découverte d'autres langages. Quand j'ai commencé à regarder Haskell ou des choses comme ça, tout de suite, c'est beaucoup plus simple ayant découvert ce premier langage. C'est un bon, comme je disais, c'est un bon tremplin pour découvrir la programmation fonctionnelle. Deuxième point faible, c'est que parfois, c'est plus compliqué que le JavaScript. Il y a des choses qui sont triviales en JavaScript et qui deviennent assez pénibles en Helm. Par exemple, générer un nombre aléatoire. Je vous ai dit, une fonction Helm, elle est pure. Si je l'appelle avec un certain jeu de valeurs de paramètres, elle me renverra toujours la même chose. Si ma fonction, elle est censée me renvoyer un nombre aléatoire, ça ne marche plus. Alors du coup, pour générer un nombre aléatoire, on va appeler une fonction qui va émettre une commande qui va être traité par le runtime Helm, qui lui a le droit de faire des choses qui ne sont pas pures, que vous n'avez pas le droit de faire. Donc il va générer le nombre aléatoire, et il va vous renvoyer ce nombre aléatoire comme paramètre d'un message. Et donc dans votre fonction d'update, vous allez récupérer le message avec la valeur aléatoire. Donc en gros, vous écrivez 10 lignes pour générer un simple nombre aléatoire. Heureusement qu'on ne fait pas que ça dans nos applis. Mais c'est un des points un petit peu pénibles. Le deuxième, mais là, c'est un peu normal. C'est si vous voulez parser du JSON, par exemple, vous ne contentez pas de faire comme en JavaScript, où c'est trivial en une ligne. Là, vous allez devoir décrire chaque nœud de la structure JSON que vous allez vouloir parser. Vous allez devoir dire quels sont les types que vous attendez. Quand j'ai présenté ça à un de mes collègues qui est spécialiste en cybersécurité, il m'a dit « mais c'est vachement mieux ça, au fait ». Oui. Au moins, tu sais exactement ce qu'on t'envoie, tu n'as pas de risque. Et en fait, ce n'est pas spécifique à Helm, c'est vrai pour tous les langages typés, qu'ils soient fonctionnels ou pas. Vous avez le même problème dans les langages typés. Dès qu'on veut parser du JavaScript, il va falloir dire dans quelle structure ça atterrit, et donc on va devoir décrire les types. Donc ça, c'est moins vraiment un problème.
Il y a des choses aussi qu'on ne peut pas faire en Helm. Vous ne voyez plus le DOM, vous n'avez plus accès au DOM. Et donc, dans certains cas très pointus, très particuliers, comme celui-là, où, donc ça c'est un exemple que j'ai repris d'une autre présentation, où le gars expliquait, ben voilà, moi en production j'étais embêté parce que je voulais calculer si le tag suivant, quand l'utilisateur était en train de le taper, si ce tag il allait passer à droite, là, dans l'espace restant ou pas. Et donc pour faire ce genre de truc, il avait besoin d'accéder à l'arbre d'homme. Voilà. En Helm, on ne peut pas faire ça. Donc là, on passe par les ports, on invoque du code JavaScript, on récupère la valeur et puis on contourne. Mais pour l'instant, ce n'est pas faisable aujourd'hui. Ce qui, moi, m'a posé le plus de problèmes, c'est de trouver la bonne structure pour une grosse appli. Et ça, ça fait des mêmes débats entre des gens qui sont pointus en Helm. Je pense que c'est quelque chose qui est, où la peinture là, elle n'est pas complètement sèche. Il y a des exemples de très grosses applis qui sont codées avec des patterns avancés. C'est dispo en open source et tout. Maintenant, pour quelqu'un qui débute, c'est vraiment pas trivial. Et donc, il y a tout un tas de modèles. Les gens qui disent qu'il faut structurer les applis comme ci, comme ça, etc. Mais c'est pas évident de s'y retrouver quand on débute. Donc ça, c'est le point moi, qui m'a vraiment titillé le plus. D'autant plus que c'est complètement inhabituel comme façon de faire. Si vous avez fait du React, du Vue, du Angular, etc., vous allez dire, bah, mon appli, je la compose, c'est des composants. Bah, là, non. On ne fait pas de composants en Helm. C'est un anti-pattern, à la limite. En tout cas, d'après les créateurs du langage, le créateur du langage, c'est un anti-pattern. On ne fait pas un composant et on va structurer son appli différemment. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons de les structurer. Mais c'est un truc sur lequel j'ai perdu pas mal de temps avant de trouver une structure qui me convienne. Maintenant, j'ai vu passer il y a quelques jours sur le forum de discussion Helm un nouveau projet où le gars explique comment faire des composants en Helm. Il a créé une sorte de framework avec une doc très longue. Il a dû battre le record de longueur du README sur GitHub. Et voilà, il explique comment faire des composants. Bon, évidemment, ça suscite des débats. Je ne sais pas ce qu'il en ressortira. Alors, je vous ai dit, il y a des gens qui utilisent Helm en prod. Par exemple, il y a Jeff Chomet chez Pivotal Tracker. Il expliquait que quand son manager avait vu le résultat d'un POC qu'ils avaient fait, il a dit, bon, à partir de maintenant, on écrit tout en Helm. C'est performant en termes de performance. C'est les benchmarks, vous savez ce que c'est, mais on peut dire au minimum que c'est comparable à des choses comme React, Angular et autres, voire certains benchmarks et place Helm devant. Bon, après, on verra. Mais sur, vous connaissez sans doute enfin, peut-être si vous êtes baigné dans le JavaScript, les benchmarks de Stefan Krause. C'est un gars qui publie sur son blog des benchmarks dans lesquels il y a un énorme tableau avec du vert, du orange, du rouge, voilà. D'après ce truc-là, qui est quand même relativement objectif, Helm est plutôt bien placé. Bref, c'est performant, les gens sont productifs, il y a moins de bugs en prod, etc. Donc ils disent, maintenant, on fait tout avec ça. Ce qui est plutôt rassurant. Pour ceux qui envisageraient de s'y mettre malgré la relative jeunesse du langage. Alors, en conclusion, comme je vous l'ai dit, moi, c'était mon tout premier langage fonctionnel et franchement, ça a été une révélation. J'ai envie de continuer à faire du fonctionnel. C'était un effort que je ne regrette pas d'avoir fait. Ne serait-ce que parce que maintenant, quand j'utilise d'autres langages qui sont pas fonctionnellement purs, par exemple au boulot je fais du Kotlin, quand dans Kotlin il y a un peu de fonctionnel, là je suis très à l'aise pour l'utiliser maintenant, beaucoup plus que quand j'ai commencé il y a un an et demi, ou ce serait vrai si vous faites du Scala ou même du Python, etc. Il y a tous ces langages qui embarquent un tout petit peu de fonctionnel, en ayant assimilé les concepts d'un langage comme ça, vous allez devenir super à l'aise avec et donc bien plus efficace, faire du code plus propre, plus lisible, plus maintenable. Voilà. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Et ensuite, je conclurai comme je voulais sur ce que je vous disais en intro, c'est que franchement maintenant, quand je fais du JavaScript, je soupire.
y a des trucs où je me dis, mais non, attends, là, c'est pas possible. Si j'étais en Helm, j'aurais jamais ces problèmes-là. Donc, je suis pas encore au stade d'en faire dans le cadre du boulot, parce que bah, il faudrait pour ça que j'arrive à convaincre mes collègues. J'ai pas cherché à le faire. Peut-être que j'essaierai plus tard quand je les sentirai un peu plus mûrs, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Voilà, je vous remercie. J'en ai terminé. Qu'il y a des questions. Donc, merci déjà pour la présentation. Je me posais beaucoup de questions, c'était plus sur la partie rendue, en fait, parce que là... Rendue, ouais. Donc, toute la partie HTML, là, on voit que tu appelles des méthodes pour créer tes balises P, tout ce qui va bien derrière. Sauf que lorsqu'on a un design qui est un peu chiadé, on a tendance à avoir des classes un peu partout. Si par exemple on veut générer un graphe qui, avec une jolie animation, avec le graphe qui se dessine au fur et à mesure, je m'imagine mal le faire en Helm. Alors autant pour les API et puis tout ce qui est code métier, je vois bien, autant pour la partie rendue, ça me paraîtrait un peu compliqué. Eh ben, écoute, il y a des sites très, avec un rendu assez sophistiqué qui sont créés en Helm. Tu as tout un tas de librairies disponibles, hein. Il y a plus de 1300 librairies sur le dépôt officiel Helm, et puis ça grimpe sans arrêt. Tu as des libs pour faire des animations. Je me suis amusé à coder un jeu, par exemple. La partie... je sais pas si je l'ai là, mais j'aurais pu vous montrer comment j'ai codé le jeu de la vie en Helm, avec un rendu graphique en SVG, et en quelques lignes. Quoi, j'ai trois lignes pour faire le rendu, c'est assez bluffant. Donc il y a tout ce qu'il faut, tu peux intégrer n'importe quel framework CSS. Alors il y en a un qui s'y prête beaucoup, qui s'y prête vraiment bien, c'est Bulma. Donc je ne sais pas si vous connaissez celui-là, c'est un framework CSS relativement récent qui monte beaucoup, qui a une particularité que j'aime beaucoup, que j'avais cherché pendant longtemps, c'est qu'il n'embarque pas jQuery. Il n'y a pas de JavaScript dedans. Et du coup, ça fait complètement du sens de le marier avec Helm, mais on peut très bien faire du bootstrap avec Helm, ça pose aucun problème. Donc tu peux faire des IHM, d'après ce que j'ai vu moi en tout cas, d'après mon expérience, tu peux faire des IHM tout aussi sophistiqués que ce que tu vas faire en JavaScript, c'est pas un problème. Merci. Moi, j'avais une question. Est-ce que tu as suivi un peu les expérimentations avec WebAssembly ou Wasm? Alors non, je n'ai pas suivi ça. Je sais que certains évoquent le fait que Helm pourrait être compilé en WebAssembly plus tard. Mais je pense que c'est complètement expérimental. C'est juste une vue de l'esprit dans l'immédiat, ce n'est pas prévu. Mais après, le compilateur Helm, si tu veux, pour l'instant, le focus, c'est produire du JavaScript pour le navigateur. Après, il y a des gens qui s'amusent à en faire côté back-end, donc sur Node. Ça reste un peu expérimental, ce n'est pas supporté officiellement, mais là encore, il y a une boîte française qui fait des... qui travaille pour la télévision. Ils font du traitement de vidéos, alors des gros fichiers vidéo jusqu'à 500 gigas. On upload les vidéos chez eux et puis ils vont aller insérer les pubs. Ils fournissent un éditeur en ligne, donc une IHM justement qui est assez sophistiquée. Un éditeur en ligne pour éditer les vidéos et venir dire, tiens, à tel frame, là, je vais insérer une pub, telle pub. Donc, leurs clients, bah, c'est les grandes chaînes de télé que vous connaissez bien. Et donc, eux, ils font du Helm côté client et côté back-end. Voilà. Donc, il y a différentes cibles qui sont envisageables. WebAssembly, a priori, ça pourrait... Enfin, certains en parlent pour le futur. Hein. Parce que j'avais rencontré une équipe de Mozilla qui bossait sur WebAssembly et qui pensait à Helm. Et il me disait que l'avantage, c'est qu'on pouvait commencer à exécuter le code de la première page sans avoir téléchargé tout le fichier JavaScript, vu comme un peu comme les JPEG qui s'affichent un peu dégradés et qui, au fur et à mesure, s'affinent. Donc, je trouvais ça très intéressant comme idée. Et sinon, pour la question d'avant, moi, j'utilise un plugin d'Atom qui permet de convertir un arbre HTML directement en Helm aussi. Donc, ça peut être intéressant pour du bootstrap où tu as déjà le code HTML et hop. Et aujourd'hui, dans le monde professionnel, c'est
utilisé, c'est recherché comme compétence ? À ma connaissance, non. C'est trop confidentiel. Il y a en tout cas en France, hein, j'entends. C'est la communauté est bien trop réduite. C'est bien trop restreint. Il y a des sociétés, celles dont je vous parlais à Paris, par exemple. Bon, voilà, tout le monde fait du Helm dans cette boîte-là, mais c'est une petite boîte parmi des dizaines de milliers d'autres. Donc non, c'est clairement un langage de niche aujourd'hui. Il y a quelques entreprises, mais c'est pas le problème du langage, c'est que la personne qui est derrière et l'entreprise qui est derrière, c'est des petites boîtes. C'est une petite boîte, c'est une personne, c'est une communauté, même si elle est dynamique, active et tout. Il y a des conférences Helm, il y a des meet-up Helm, etc. Ça reste minime et ça n'a pas la visibilité que va avoir un Reason ML parce que derrière il y a Facebook. Donc non, aujourd'hui, si tu dis je vais me lancer là-dedans pour trouver du boulot, je cible bien les boîtes, hein, parce qu'il ne va pas y en avoir des dizaines, hein. En tout cas pas en France. Il y en a, hein, je vous parlais de la Confelm Europe, la deuxième édition aura lieu début juillet à Paris. Bon, bah, là-bas, on trouve des gens qui viennent d'un peu partout en Europe et aux États-Unis et qui utilisent M pour la production, mais c'est peanuts par rapport à des langages beaucoup plus courants, et surtout par rapport au JavaScript. C'est dérisoire. Alors, attends, parce qu'on ne t'entend pas trop là. Si, ça marche. À la conférence Helm Europe de l'an passé, qui était la première conférence Helm Europe en France, il y avait Mozilla, Microsoft et Google comme sponsors. Donc, je pense qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de boîtes. Moi, j'en connais 5 ou 6 en France quand même. Il y a Allo Media. Voilà. Et tous les gens qui l'essayent aiment. Donc, moi, ce que j'ai fait dans ma boîte pour y passer petit à petit, c'est de faire tous les prototypes. Enfin, dès qu'il y a un projet, une idée bête, je la fais en Helm en 2-3 heures. Et puis après, au fur et à mesure, les gens se disent ah, « Mais comment il fait pour faire ?» Bon, alors, si tu veux bosser en Helm, tu postules dans sa boîte. Ouais, on va bientôt embaucher, d'ailleurs. Oui. Merci pour ta présentation. Si le langage est assez réfractaire aux fonctions impures, est-ce que c'est facile quand même de pouvoir interagir avec un serveur, avec des requêtes AJAX ou intégrer du WebSocket, où là, ben, le réseau peut tomber à la base pour envoyer une erreur ou un message de succès ? Alors le principe, en fait, c'est que tout ce qui est impur, tout ce qui peut rendre des résultats variables, c'est traité par le runtime. Donc on va utiliser ce qu'on appelle les commandes qui vont permettre, par exemple, de lancer une requête au serveur HTTP. Et le runtime va, comme pour l'exemple des nombres aléatoires, c'est le runtime qui va te renvoyer un message qui sera interprété par ta fonction update, hein, qui sera reçu par ta fonction update, et tu devras traiter. Donc tu émets dans la vue, tu invoques une fonction qui, elle, quand on clique, par exemple, va lancer la requête HTTP. Elle balance une commande. Et puis, c'est dans la fonction d'update, tu récupères le résultat qui peut être soit une erreur, soit un résultat de succès, comme c'est classique. Et donc, il y a des librairies, par exemple, pour gérer... Enfin, c'est prévu de base dans le langage, hein, dans les paquets de base, mais en plus, tu as des librairies qui viennent te simplifier ça encore. Donc, ça se fait très, très bien, il n'y a aucun problème. Et là encore, ça se fait en toute sécurité et ça va te permettre de... Bon, sur ce point-là, j'en suis un peu moins sûr, mais ça doit te permettre, normalement, de tester pas mal de choses, là aussi, assez facilement. Joker, je ne sais pas. Non, c'est juste que je ne sais pas, je crois pas, je dois pas l'avoir fait ça. Tu peux toujours appeler la fonction update avec les arguments que tu veux, avec les messages que tu veux pour la moquer. Donc, ouais. Quelque part, ça, je ne sais pas si ça remplit un peu la fonction, mais tu as toujours la possibilité d'appeler ta fonction update avec le message qui correspond au retour de ton serveur. Ouais, là, je n'ai pas assez joué avec ça pour te répondre. Donc, du coup, ça casse pas un peu la logique Tu mets à distance complètement le traitement du message qui t'est envoyé par ton serveur web, par exemple, de l'endroit où tu passes la commande.
En termes de lisibilité, d'organisation du code, est-ce que ça se paye ou... Non, parce que la logique est toujours la même. Hein. C'est ma vue émet un message, la fonction d'update traite les messages entrants. Donc la logique est tout le temps la même, c'est tout le temps structuré pareil, donc on s'y habitue assez facilement. Alors c'est vrai que c'est une structure qui est peut-être inhabituelle, mais c'est aussi un moyen justement de la rendre très claire, parce que c'est toujours fait pareil, hein, et quels que soient les types de fonctions finalement, le traitement est toujours le même un peu. Tu sais que tout va se faire dans ta fonction d'update, alors qu'il va grossir, donc au bout d'un moment tu la découpes, tu fais des sous-fonctions, mais bon, il y a tout un tas de patterns aussi qu'on peut appliquer. Pour, quand l'application prend de l'ampleur, qu'elle devient plus grosse, il y a des patterns pour structurer le code et le maintenir lisible. C'est assez particulier parce que moi qui est dans quasiment tous les langages, je vais vous tirer les oreilles si vous me pondez une fonction qui fait plus de 10 lignes. En Helm, c'est vraiment pas un problème d'écrire une fonction qui fait 50 lignes, ça se fait couramment, c'est pas un problème. Alors évidemment, au bout d'un moment, on va commencer à découper, mais c'est habituel et surprenant dans ce langage d'avoir des fonctions assez longues, finalement. Après, moi, ça, vu mon expérience dans les autres langages, ça me dérange. Mais c'est quelque chose de spécifique un peu. C'est pas une obligation, hein, on peut structurer, mais ce sera comme souvent, enfin les fonctions d'update par exemple, elles vont souvent être relativement longues, quoi. Après, elle a une structure qui fait que ça, c'est lisible, et puis on peut, comme je vous le disais, la découper. Il y a tout un tas de patterns pour ça, on va appeler des sous-fonctions tout simplement. Notre petite question, là tu nous as montré le beginner programme avec une vue puis une fonction d'update. J'imagine qu'il est aussi possible de composer une application avec différentes sous-vues plus ou moins autonomes et de les composer. Et la question sous-jacente, c'est du coup, est-ce que c'est facile de réutiliser du code, d'avoir une approche assez modulaire en différents fichiers avec des imports, des exports, des choses comme ça? Justement, c'est ce que je disais. Dans les inconvénients, moi, je trouvais que ce n'était pas simple, pour un débutant en tout cas, de savoir quelle approche adopter pour avoir une application modulaire. Ce que font des gens plus avancés que moi, certainement, c'est qu'ils découpent une grosse appli en plusieurs petites qui communiquent entre elles. Voilà. Je sais que ça se fait, je ne l'ai pas expérimenté moi-même, parce que Helm, pour moi, ça reste pour l'instant sur le temps des loisirs et pas dans le cadre professionnel, donc je n'ai pas créé d'appli assez conséquente pour avoir besoin de ça. Mais voilà, une façon de faire, c'est splitter ton appli en plusieurs petites et les faire communiquer. Ensuite, bon, une appli, on peut facilement la découper aussi en plein de fichiers. Hein. C'est pas un problème d'avoir plusieurs dizaines de fichiers dans ton appli, d'isoler des parties, etc. Donc ça se structure aussi, hein, pas de souci. Merci beaucoup Pascal, c'était super intéressant. Merci. Alors ça vous a plu? C'était moins dur que la semaine dernière? Beaucoup, beaucoup moins. Alors, on a un petit apéro si vous êtes intéressés. Pour ceux qui ont déjà des bières, faut cacher. Hein. Faut pas qu'il y ait des traces du délit. Voilà.